besoin d'aide. La parole. Avec CTLM, c'est une histoire de rencontre. C'est une histoire de réseau, de partenariat. C'est une histoire d'impact et d'engagement. C'est une histoire d'entraide. Des cœurs. On a la chance d'avoir les collaborateurs de CTLM qui s'engagent sur notre réseau pour être ambassadeur métier, être mentor et même proposer des stages de troisième. C'est aussi un soutien financier puisque la fondation CTLM a financé l'appli mobile qui nous permet de connecter encore mieux les jeunes et les mentors. La Fondation CTLM a été le premier partenaire à avoir fait confiance à Eloquentia pour déployer une expérimentation e-learning qui permet en fait à Eloquentia de décupler son impact pour couvrir tout le territoire national. Au départ, il s'agissait de nous aider à financer et utiliser des logiciels d'aide à l'orientation pour les jeunes que nous suivons avec le logiciel Passe Avenir. On a mis en place en fait des séances d'accompagnement des élèves. CTLM nous a accompagnés dans toute cette démarche et dans le financement en fait de tous ces nouveaux outils et toutes ces nouvelles séances. Nous avons eu la chance d'avoir une première subvention de la Fondation CTLM qui nous a permis en fait de proposer des ordinateurs à des population étudiante en grande précarité. Cette année, nous avons eu la chance d'avoir eu un renouvellement de subvention de la part de la Fondation CTLM, ce qui nous permet en fait d'aller encore plus loin dans nos actions et de continuer sur le terrain à lutter à notre petit niveau contre la précarité étudiante. Et Philippe, il a obtenu qu'on puisse avoir l'appui de la Fondation CTLM pour l'achat de matériel, pour la colorisation des personnages d'un film de Johannes Farr. Ça nous a mis dans une autre sphère. Le truc le plus incroyable, c'est qu'ils ont obtenu un appui pour qu'on puisse développer encore plus un label de musique. Grâce au soutien de la Fondation CTLM, une nouvelle version de l'application est en ligne et permet de faciliter l'entraide et le partage. Donc aujourd'hui, l'application est téléchargée en France, mais aussi à travers le monde. Et elle a permis surtout de venir en aide à plus de 15 000 personnes en situation précaire. 5 ans. 50 ans. 4 ans. 8 ans.